Les animaux ne sont pas de simples objets, mais des êtres vivants doués de sensibilité. C'est ce que dit le projet de loi voté ce matin par le Congrès. Voté à l'unanimité, les élus ont donné leur accord pour modifier le code civil applicable en Nouvelle-Calédonie. Si les animaux restent toutefois soumis au régime des biens, ils seront reconnus comme des personnalités juridiques dorénavant. Une mesure symbolique. Gandhi disait que le degré de civilisation d'un peuple réside dans la façon dont il traite ses animaux, c'est important, et qu'en Nouvelle-Calédonie, eh bien, on considère les animaux qui nous entourent vraiment comme des êtres vivants doués de sensibilité. C'est symbolique, bien sûr, mais ça a vocation à faire changer les mentalités, et puis aussi peut-être à donner une indication supplémentaire aux juges dans le cadre des affaires de maltraitance animale. On a aussi introduit la possibilité pour les mutuelles d'avoir une prise en charge des frais liés aux soins vétérinaires pour que les habitants de la Nouvelle-Calédonie puissent traiter correctement leurs animaux et les soigner correctement.